à tous et bienvenue sur rctudio.fr. Aujourd'hui, nous nous retrouvons après le premier test du Sakura D4 RWD avec la conversion carbone de chez Boom Racing. Voilà, donc on a testé une config qui est un peu différente d'origine. Donc on a mis le diffuseur arrière de chez Oxygène qui va sur les Yokomo. L'anthrax de perçage est la même. Voilà, donc vous rajoutez déjà 45 grammes à l'arrière, plus le poids de la batterie. Donc on a fait des tests hier soir chez les RC Drift Passion, d'ailleurs merci de leur accueil et merci aussi des conseils de réglage. Donc ce que je peux vous dire sur ce châssis là, le châssis carbone Boom Racing, c'est que c'est une belle option, c'est joli, par contre ça modifie quand même pas mal le comportement de votre châssis et du coup il y a beaucoup de réglages. Voilà, donc on a dû tout reprendre à zéro, train avant, train arrière, les amortisseurs, et on a pas encore réussi à avoir un comportement convenable, donc on va vous montrer ça en vidéo, du moins les images qu'on a à peu près roulables. Voilà, mais quand même pas mal de galères. Donc là c'était sur béton lisse, donc qui glisse pas mal avec des différences de glisse selon les endroits de la piste, mais bon, on a à la fin de la session, on a quand même réussi à avoir quelque chose d'à peu près roulable. Mais c'est assez, c'est assez difficile à ajuster, voilà. Donc, pour ma part, je vais laisser le diffuseur arrière parce que sur certaines pistes, ce sera peut-être nécessaire d'avoir la batterie à l'arrière. Mais je vais revenir sur une configuration avec la batterie au centre qui sera un peu plus équilibrée. Voilà, parce que bon, par exemple, ici, on avait dû rajouter 90 grammes à l'avant pour que le train colle un peu à la route, voilà, en sachant qu'il y a des poids dans les roues aussi. Voilà, donc ce sera un peu moindre si vous avez le AWD, voilà, mais sur le RWD, bon, ça change quand même énormément le comportement du châssis. Voilà, donc c'est une option à prendre en compte en sachant que vous allez avoir du réglage, mais de toute façon en RWD, il y a de toute façon du réglage, vous partez d'un châssis qui roule pas pour arriver petit à petit à un châssis qui roule. Voilà, donc on vous laisse regarder ça en vidéo. Merci à Pierre pour le pilotage. Encore une fois, c'était pas moi parce que ben, moi je débute et puis voilà, je peux pas filmer et rouler. Donc merci au RC Drift Passion, bonne vidéo. Voilà, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiat Izobi, Team Tetsujin et O Speed Drive. Merci et à bientôt. Okay.